bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je filme dans le couloir de l'hôpital. Je suis avec Marceau. Nous sommes partis faire un petit tour parce qu'Elsa, en fait, elle est en train de faire une activité. Elle est partie faire une activité avec les bénévoles, en fait, dans le service. Et puis, en plus, maintenant, elle est accompagnée dans sa chambre. Donc, du coup, je ne peux plus filmer dans la chambre tant que les personnes sont là. Donc, je vous reprendrai plus tard dans la journée. Là, on a eu la livraison de la machine à laver à 8h45. Et du coup, je suis partie juste après, sauf que j'ai oublié notre repas pour Marceau et moi. Donc, je pense que j'ai racheté un sandwich et puis Marceau, il mangera dans le plateau avec Elsa. Voilà. On attend Elsa. Voilà. Donc, Marceau joue. Alors, évidemment, il est en contre-jour. Alors, je sais pas ce que vous voyez vraiment. Mais... il a trouvé un garage. Ben, si j'avais su, je ne me serais pas mis la pression pour venir de bonheur. Hein. Parce que là, concrètement, on est dans la salle de jeu avec Marceau et on attend qu'Elsa revienne de son activité. Quoi. Donc, super. Bon, et bien le médecin vient de passer. Donc, nous sommes bien sur une pyélonéphrite. Nous sommes sur deux bactéries. Juste ça. Et concrètement, ils vont quand même se mettre en relation avec l'urologue qui l'avait suivi à l'hôpital d'Angers parce que elle m'a dit que ça prend du boudin quand même. Elle me dit que si les examens sont normales, c'est pas normal qu'elle continue à en avoir. Donc on va creuser un petit peu et là, a priori, ils pensent qu'elle sortira pas avant lundi. Donc on verra bien. Ça y est, Lisa. Enfin, elle est revenue. Elle n'est pas sortie. Mmh. Elle est revenue. J'ai fait un petit cadeau pour la fête des mères. Ouais, elle m'a fait un petit tour sur un cœur avec des perles à coller. Enfin, les perles à souder, là où elles sont faire repasser, je sais pas quoi. C'est pas mal. Mmh. Elle est contente, elle aime bien faire ça. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah bah, je vais l'offrir pour la fête des mères. C'est mignon. Par contre, du coup, là, elle est venue se coller devant la télé. Donc, Marceau, lui, il fait du... du tricycle. Du tricycle. J'ai réussi. Oui, je sais que tu y arrives. En fait, il a les jambes un peu courtes pour les pédales. Mais il y arrive quand même. C'est bien. Alors là, par contre, c'est mes pieds. Voilà. Bonjour. Mais t'as déjà dit bonjour. Quoi? T'as déjà dit bonjour. C'est... ah oui, tout à l'heure, quand on était dans le couloir. Avec Elsa. Ouais, avec maman, Elsa. Bon, finalement, la voisine de chambre, elle est partie. Donc, on va pouvoir vlogger aujourd'hui. Ouais. Ça, c'était juste inespéré. Elsa dormait il y a 2 minutes aussi. Là, elle est réveillée, elle est partie autour. À la maison, il va être bientôt 17h et nous allons repartir. Alors en fait, pour vous expliquer, moi j'ai passé mon après-midi avec Marceau et Elsa. Toi t'es un chevalier, d'accord. J'ai passé mon après-midi avec Elsa et Marceau à l'hôpital et puis ensuite à 15h20 peut-être, il y a Eric qui est arrivé, donc du coup je suis repartie pour, de toute façon moi je devais récupérer les enfants à l'école. Et en fait, Eric a appelé son boulot et il va pouvoir rester en fait cette nuit avec Elsa. Donc je trouve ça génial parce qu'elle était vraiment angoissée de passer une deuxième nuit toute seule. Et du coup, il va rester avec elle ce soir et demain midi, il prendra les enfants. Donc je pense que je les lui amènerai à l'hôpital. Et puis... oui, pour rester en fait à l'hôpital, il a besoin d'un chargeur de téléphone. Parce qu'il n'a plus de batterie. Donc du coup, il m'a demandé si je pouvais lui en apporter un. Donc, étant donné que je voulais aller chez Kiabi, bah oui, je vais lui apporter un chargeur. Voilà. Puis comme ça, ça permettra aux gars de voir Elsa un petit peu, parce qu'ils sont quand même inquiets. Hier, les gars pleuraient tous les deux. Enfin, donc, c'est pas évident. Donc voilà, mais du coup après on va rentrer, mais ce soir on n'est pas pressé, même si on mange tard, c'est pas grave, demain on a le temps de se lever. Du coup j'ai réceptionné mon lave-linge ce matin, donc pas besoin de... parce que du coup je m'étais dit, si ça se trouve, ils vont me reproposer une livraison pour samedi, bien que je ne sais pas s'ils livrent le samedi.
Mais là, au moins, c'est bon, elle est là et la machine à laver, je parle. Je ne l'ai pas du tout déballée. Hein. Je ne ferai pas un unboxing non plus, hein, parce que j'ai quand même un lave-linge. Mais voilà, j'espère que Eric pourra venir dans le week-end pour m'aider à l'installer. Et puis, comme ça, lui, il repart avec la sienne. Et puis, puis voilà, quoi. Donc là, on va bientôt repartir. Moi, je vais passer chez Kiabi parce que, en fait, j'ai repéré une petite jupe et un petit débardeur qui me plaisent bien. Pour, alors, c'est principalement pour aller à l'église parce que, en fait, pour, à l'église, on porte des jupes de taille convenable. Donc, les mini-jupes, clairement, on évite. Et moi, toutes les jupes que j'ai, elles remontent sans arrêt au niveau de mes cuisses et ça me gêne en fait. Du coup, là, j'ai trouvé une jupe longue. Alors, je vais aller la chercher aujourd'hui. Je vais l'essayer ce soir. Et si ça ne va pas, je la ramènerai demain vu que je passe devant pour aller à l'hôpital. Donc, je vais essayer tout ça ce soir. C'est une jupe en jersey. Donc, logiquement, ça ne devrait pas trop me grossir normalement. Donc, bah, j'espère que ça va le faire. Et puis, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Et puis, comme ça me fera une tenue convenable pour aller à l'église dimanche. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais laisser les gars finir de goûter. Et puis, moi, j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Mais, à dire, là, j'ai pas vraiment faim. Par contre, je vais préparer une petite gamelle pour Eric ce soir parce qu'il a laissé chez moi, quand il est venu manger hier midi avec Marceau, il a laissé des pâtes japonaises et moi, j'aime pas ça du tout. Donc, je vais pas les jeter. Je vais lui mettre dans une boîte et puis il n'aura plus qu'à les passer au micro-ondes à l'hôpital. Voilà. Donc, cette fois, c'est bon. On y va. Bon, les amis, je vous reprends. Il est tard. Il est plus de 22h. Je sors de mon bain. En fait, je suis épuisée. Je ressentais le besoin d'aller me détendre. Du coup, j'ai autorisé les gars à regarder la télé ce soir. Demain, il n'y a pas d'école. On n'est pas pressé de se lever. Eric est avec Elsa, donc on n'est pas non plus pressé d'y aller demain matin. Donc, c'est vrai que ouais, je me suis accordé un petit peu de temps pour moi. Et là, je vais aller les chercher. Alors, je pense qu'il y en a au moins un qui doit dormir dans le canapé, vu l'heure. Mais voilà, je vais les mettre au lit et puis on va aller se coucher parce que je suis très très fatiguée. Du coup, j'ai trouvé les petites vestes que je cherchais pour les gars depuis quelques temps. J'en ai trouvé enfin chez Kiabi, donc c'est bon, ça c'est fait. Je me demande si je vais pas acheter la même à Marceau, puisque du coup les deux gars ont pris la même. Je pensais pas leur acheter la même chose, mais ils ont décidé de prendre la même. Donc je vais voir, peut-être que je prendrai la même pour Marceau, ce serait rigolo qu'ils aient tous les trois la même, sauf que en fait Marceau il en a une mais elle est blanche. Donc faire porter un manteau blanc à un enfant de 3 ans c'est un petit peu aventurier je trouve. Donc moi on me l'a donné hein, donc je la mets, mais enfin je lui mets. Mais j'avoue que si c'était moi j'aurais pas acheté du blanc. Voilà, mais en tout cas elle est très très jolie, je l'aime beaucoup. Mais du coup elle se salit tellement vite que pour le quotidien il m'en faut une autre. Donc et je ne les ai pas payés cher, je les ai payés 15 euros, donc je vous montrerai ça demain. Je me suis aussi acheté une jupe et un petit haut. Comme je vous disais, je cherchais une tenue bien pour aller à l'église. La jupe, c'est une jupe très fluide. En fait, elle est en jersey, donc très très légère. Mais par contre, elle est noire. Je la voulais en kaki et en fait une fois arrivée dans le rayon, bah, c'était pas vraiment du kaki, c'était un vert bien vert. Donc en fait elle me plaisait moins. Donc j'ai opté pour le noir, je l'ai pas encore essayé, je vais essayer ça demain matin. Je vais l'essayer avec plusieurs paires de chaussures pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre de la garder parce qu'elle est noire. Voilà, on verra. Je vais voir comment elle me sied demain. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Alors pour nous, c'est une bonne nuit. Hein. Mais vous, je sais que vous regardez ça plutôt le matin. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog, pour la suite des aventures d'Elsa. Et puis je suis fatiguée, je sais même plus quoi dire.